Vous allez vous rappeler que vous étiez arrivé à la préfecture de Brazzaville quand Alexis Bongo avait organisé la cérémonie de présentation officielle de l'avocat défenseur de l'Afrique, quand nous avions décidé d'emboîter le pas, de suivre votre combat, d'essayer de dire quelque chose. Bon, il y a 5 ans, c'était le 25 mai 2017, quand vous étiez arrivé à la préfecture de Brazzaville, où vous nous aviez édifié ce jour-là sur comment avaient été constitués les États-Unis, parce que c'était que des jeunes gens, avec peut-être un ancien, qui avaient décidé de faire quelque chose, et ils ont fait, et au fur et à mesure, les autres ont emboîté le pas, et aujourd'hui, on a ce grand pays et cette grande puissance avec une constitution qui dure et qui dure, qui dure. En tout cas, vous nous aviez édifiés. Ce jour-là, je crois que vous vous en rappelez. Or, le temps passant vite, ça fait 5 ans. Dans les rencontres panafricaines ou bien à la télé, l'émission Convergence et Révolution culturelle, c'est en hommage au professeur Théophile Obiang qu'elle avait été conçue pour que ce soit la continuité de votre combat par la jeunesse. Même que je discutais avec les techniciens, je vous ai dit ça quand nous étions en réunion, j'ai dit dans le générique initial de l'émission, ça se termine par hommage au professeur Théophile Obiang, le générique initial. Maintenant, quand on avait conçu ce nouveau générique, le technicien avait oublié de mettre ça. Et depuis le temps que je lui dis 1000 fois, c'est il faut que ça se termine comme ça. Oui, je veux faire, oui, les Africains sont ce qu'ils sont. Ils disent oui, ils font pas. Voilà pourquoi je me dis que dans certaines situations, il faut que nous suivions vos conseils. Toujours attendre que quelqu'un fasse là, c'est pas bien. Si j'avais appris le montage vidéo, j'aurais déjà moi-même retouché le générique. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous ai dit en réunion que nous avions tout à l'heure, ça doit être comme ça, fidèle à ce qu'on avait pensé. Donc, papa, encore merci, parce que lorsque vous êtes arrivé à la préfecture de Brazzaville et que vous aviez écouté ces jeunes, vous aviez écouté tout le monde, lorsque vous aviez pris la parole, vous aviez réparé une injustice, parce qu'à l'époque, personne n'y croyait. Tout le monde disait, oh, l'avocat défenseur de l'Afrique, mais il va faire quoi? Il va dire quoi? Il sort de quelle école? C'est quoi la défense de l'Afrique? Ah, nous, on ne vient pas. Il y a eu même des gens, des amis, à qui je faisais entièrement confiance, avec qui on parlait combat panafricain, mais qui ce jour-là ne sont pas venus, ou qui ont dit, non, nous n'irons pas là-bas, c'est honteux, on va dire quoi? Bon, même les affiches et les banderoles faites à propos, bon, on laisse de côté. C'est dans la poussière. Mais ce jour-là, vous qui êtes la sommité, comme notre frère Mougane Makas vient de le souligner, même la sœur, la consoeur journaliste vient de le dire, vous qui êtes le dernier des dinosaures du combat panafricain, la sommité, nous ne méritons même pas, nous ne pouvons même pas oser vous déplacer d'un point A à un point B. Vous êtes arrivé ce jour-là et votre présence avait tout réparé. Maintenant, 5 ans plus tard, la cérémonie que nous avons, c'est le 5e anniversaire de la présentation officielle de l'avocat défenseur de l'Afrique, votre fils Alexis Bongo. Défendre l'Afrique, oui. Penser faire quelque chose, oui. Se lancer dans le combat panafricain, oui. Mais 5 ans plus tard, il faut quand même dire aussi aux autres quel a été un tant soit peu le bilan et puis quelles sont les perspectives. Vous connaissez les problèmes qui minent le combat panafricain. Les divisions internes, l'intolérance. Donc, on s'est heurté, on a essayé de faire un tant soit peu, on s'est heurté aussi à toutes ces difficultés-là. On a le devoir de rendre quand même aux autres, de leur faire ce bilan-là, en 2, 3, 4 mots, en 5, 10, 15 minutes, qu'ils sachent qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire dans le cadre du combat panafricain. Et donc, le mercredi 25 mai, jour pour jour, ça va faire 5 ans. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Le mercredi qui arrive, ça va faire 5 ans. Et donc, avec votre fille Vikaël, on s'est dit, puisque
personne ne peut nous aider, personne ne peut nous épauler, personne ne croit en nous et que nous nous battons seuls. Bon, nous allons organiser seuls les choses parce que vous savez très bien, mieux que nous, que dans ce combat panafricain, l'ennemi le plus à craindre pour l'Afrique, notre continent, ce sont les Africains eux-mêmes. Ceux qui sont encore dans les ténèbres de l'ignorance, ceux qui sont sceptiques, ceux qui préfèrent vous décevoir, critiquer, qu'encourager ou soutenir. Donc, on a fait des pieds et des mains avec Vikaël. On a pu louer l'espace du centre culturel Zola. Là-haut. Le centre culturel Zola, c'est à Mongali. Ah. Parce qu'il y a un compatriote. Le centre de l'ABC. Un compatriote qui est en France, à la diaspora. Mais qui avait trouvé que tout ne va pas se faire seulement à l'IFC. Ouais, et donc il a construit un centre culturel. Ah bon, hein? Oui, où les spectacles se font, où vraiment. Et donc même, et il est passé à la télé avant de repartir en France. Dire qu'on a un endroit quand même où nous pouvons nous identifier à ça et faire nos spectacles, nos rencontres, nos réunions et tout ça. Donc, en tant que disciple de Théophile Obenga, nous ne pouvions pas ne pas soutenir notre frère et aller faire ça dans ce cadre-là. Donc on a pu louer l'espace pour le mercredi. À partir de 15h, nous serons au centre culturel Zola. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là-bas? J'ai voulu ne pas répondre au mépris par le mépris. Il faudrait que j'associe quand même les autres aussi qui sont dans le combat panafricain. Même s'ils veulent trop faire cavaler seul, le thème de cette journée-là, puisque c'est la journée mondiale de l'Afrique en même temps, le 25 mai, le thème de cette journée, de cette rencontre-là, c'est comprendre le monde, comprendre l'Afrique. Maintenant, il y aura 7 intervenants en 5 minutes chacun qui vont essayer, qui étant panafricaniste religieux, qui étant panafricaniste traditionnel, qui étant panafricaniste athée, qui, chacun dans sa coloration, va, selon son inspiration, nous dire ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Comprendre le monde, comprendre l'Afrique. Ils ont 5 minutes. Je fais ça pour les honorer. Une fois qu'ils ont fini, moi-même aussi, je n'ai que 5 minutes pour faire un tant soit peu un bilan de ce qui s'est passé. Et après cette séance de 5 minutes, il y a une séance de questions-réponses de 15 minutes où moi qui ai convié tout ce bon monde-là à l'endroit, je vais avoir un échange avec les autres peut-être qui vont poser des questions sur ce qui se passe et tout ça. Bref, ce n'est pas nous le plus important. Mais après qu'on en ait fini de dire ça, il y a le clou de la cérémonie, c'est que le professeur Théophile Obenga a écouté tout le monde. Il a écouté aussi celui qui se croit être l'avocat défenseur de l'Afrique ou bien qui prétend être, parce que d'aucuns disent c'est trop prétentieux, c'est insensé, c'est tout ça. Il a aussi écouté, mais tout le monde va maintenant écouter le professeur parce que pour nous c'est sacré que vous puissiez vraiment nous faire un cours conséquent sur ce thème-là, comprendre le monde, comprendre l'Afrique. Aujourd'hui, pour que tous ceux qui seront là, parce que nous on a fait, on a invité 200 personnes, le centre culturel de Zola nous a dit ça va être 120 personnes maxi, bon, donc pour respecter les mesures, donc 120 personnes maxi, mais nous on a voulu que le combat panafricain ne reste pas que l'affaire des élites, de ceux qui sont en haut, des grands intellectuels. On a associé aussi parents, amis et connaissances, parce qu'ils sont nombreux qui ne connaissent pas le professeur Théophile Obenga, ils sont nombreux qui ne l'ont pas encore vu, ils sont nombreux qui n'ont vu qu'à la télé. Ça va être l'occasion pour tout ce beau monde-là, parce que j'estime aussi que notre combat souffre du fait que, on dirait que c'est dans certains cadres, certains lieux où tout le monde n'a pas accès, que ça se passe. J'estime que ce jour-là, nous avons vu ensemble que vous aurez en face de vous un échantillon de jeunesse conséquent à qui vous allez donc donner cette leçon, comprendre le monde, comprendre l'Afrique. Une fois que vous avez fait ça comme ça,
peut-être durant une heure, parce que c'est vous le clou de la chose, nous allons l'archiver. On a déjà loué notre matériel pour que ce soit bien filmé. Parce que la fois passée, vous êtes arrivé en 2017, le caméraman, que nous avons loué le matériel, mais lui, il pensait qu'il s'agissait d'un jeu d'enfant. Donc, en venant à cette cérémonie, il n'avait même pas pris le soin de vérifier sa machine, de mettre en charge et tout ça. Nous avions perdu en grande partie tout ça. Et puis, ce qu'il nous avait montré, c'est des images pâles. Oui, mon enfant jouait avec la caméra, il avait débranché. Mais vous ne pouvez pas aller à la guerre et c'est sur le champ de bataille que vous vérifiez que vous n'avez pas de munitions. Bon, ce qui est fait, est fait. Mais cette fois-ci, nous avons pris toutes nos précautions pour que ce soit bien archivé. Et lorsque vous allez délivrer ce message-là, comprendre le monde, comprendre l'Afrique, nous allons prendre ce message-là pour faire une émission spéciale le lundi d'après, pour que maintenant ce soit et sur les réseaux, sur YouTube et à la télévision, 5e anniversaire de la présentation officielle, le professeur était là, et voilà ce qu'il nous a dit, pour que tout le monde aussi, dans les maisons, puisse comprendre le monde un tant soit peu, comprendre l'Afrique, pour que Africains, jeunesse africaine, nous sachions sur quel pied danser. Donc c'est ça qui nous amène ici. Nous avons dit, si on avait dit depuis longtemps, si on va dire à papa qu'on organise une cérémonie à son honneur, il va nous dire, non, non, Alexis, ne fais pas ça comme vous avez dit la dernière fois. Nous avions fait son votre autorisation. On a fait cette affiche qui circule déjà sur les réseaux sociaux et qui va être affichée là-bas au centre culturel Zola pour que ceux qui arrivent là sachent déjà que... mercredi, il y a une cérémonie panafricaine ici. Et donc, on en avait discuté avec le docteur Maliki. Et il nous a dit, oui, quand c'est comme ça, il faut que vous arriviez déjà avant pour que vous en parliez. Le 5e anniversaire de la présentation officielle de l'avocat. Défenseur de l'Afrique. Défenseur, avocat, défenseur de l'Afrique. Mmh. Oui, c'est mieux, mais... Et évidemment, nous avons mis... Ah, à la fin, ici. Hommage au professeur Théophile Obenga. On sait très bien que vous n'aimez pas ça, mais on ne peut pas. Je savais bien que pour vous, ce n'est pas nécessaire, non, mais pour nous, c'est très important. Ça peut... choquer certains. Les gens n'aiment pas, quoi. Les gens n'aiment pas, mais ce que le professeur, le destin du professeur Théophile Obenga, c'est un destin exceptionnel. Aujourd'hui, que quelqu'un aime chez Conta Diop ou pas, mais il doit quand même reconnaître qu'il y a Nation Agriculture, il y a ce que vous savez comme votre combat. Là, notre frère Mobali Makassi, il a dit ce qu'il... Et il était heureux de découvrir des choses parce que avant que vous ne nous dévoiliez ça, même moi je croyais déjà à ces choses-là. On nous avait dit oui en Égypte c'était comme ça, oui c'était comme ça. Mais lorsque vous nous avez ouvert les yeux, maintenant personne ne peut plus nous tromper. Donc c'est sous cette optique-là, papa, que nous venons humblement vous prier de faire un peu entorse à votre agenda qui est chargé énormément pour que vous disposiez de 2 ou 3 heures pour nous, en tout cas le mercredi. Non, c'est mercredi, oui. Ouais, mercredi. J'interviens, j'enseigne simplement jeudi et vendredi à Quintéré, là-bas. Ah, et c'est tant mieux pour nous que c'est tombé mercredi. Demain aussi, j'ai cours, là-bas, demain jeudi. Donc, c'est le mercredi qui arrive là. Comme ça, nous, on va prendre toutes les dispositions pratiques. On va faire nos petits discours. Genre que vous sachiez que les grains que vous avez semés là ont germé, mais en tout cas le clou de la chose c'est vous, et donc à partir de 16h normalement vous avez la parole pour édifier ceux qui seront là, pour édifier ceux qui vont suivre après à la télé, ceux qui verront sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc c'est ça qui nous amène aujourd'hui pour que nous ayons déjà ça. Et je crois que comme la cérémonie c'est pour mercredi, vous ne serez pas étonné de voir la bonne annonce de l'événement passé à la télé. C'est ça, papa. Moi, je crois qu'il faut faire. Hein? Il faut faire.
Il faut faire parce que enfin, nous sommes dans l'histoire, des exemples, il y en a plein, 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 plein. Tu sais, l'Europe n'a pas une force politique, tu vois, mais ils ont l'idée de l'Europe. Ils sont tous européens ou de l'Occident. Il n'y a pas un groupe politique qui s'appelle l'Occident. Non. Hein, mais nous disons toujours l'Occident. Alors, donc, c'est une idée, c'est un ensemble d'idées. La liberté, l'égalité, les valeurs. Et c'est avec ça qu'ils dirigent le monde. Chacun vient. L'Angleterre vient prendre ses colonies. L'Espagne vient prendre ses colonies. Le Portugal vient prendre ses colonies. L'Italie fait des guerres de colonies en Éthiopie. L'Allemagne en Tanzanie. La Hollande en avait aussi, etc. L'Angleterre en... Donc c'est chacun vient. Chacun vient pour lui-même. Mais on a une idée qui est européenne, qui fait au moins qu'on est ensemble, quoi. L'Occident, l'Europe, etc. Mais ils ont développé leur banque à eux. Ils ont fait leur révolution industrielle en Angleterre. La France a développé ses banques, a fait sa révolution industrielle. L'Allemagne se développe elle-même. Chacun pour soi, en quelque sorte. Mais ils sont tous Occident. Ils ont au moins cette idée commune. Tu vois? Et qu'ils font progresser maintenant avec l'Union européenne, etc., etc. Ils veulent progresser. L'Afrique n'a aucune idée de l'Afrique, ou africain, ou africanisme, etc. Et ils sont ensemble quand l'extérieur leur dit d'être ensemble, quand il y a la francophonie. Là, ils sont ensemble. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas ensemble. Et ils sont ensemble administrativement. C'est-à-dire, ils vont à Addis Abeba, il faut l'administration. Mais si chacun revient chez lui, ne rend pas compte de ce qui s'est passé, on s'occupe de ce qui s'est passé, et ils viennent contre les élections. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils font réellement. Il n'y a pas d'impact sur le continent africain. C'est les coups d'État, l'ordre constitutionnel, revenir, faire les élections, des choses de ce genre-là. On dirait qu'ils sont au service de l'Union européenne, qui évite cette idée-là, qui leur donne l'argent pour calmer le jeu. Et les fonctionnaires. Donc, au fond, les Américains, ils ont créé les États-Unis d'Amérique, politiquement. Ils ont l'idée du Congrès américain. Ça comprend toute l'Amérique, du nord, du sud. Même le Cuba sont membres du Congrès américain. Ils se réunissent une fois par semaine, non une fois par mois, par an, n'importe où, au Venezuela, ou ceci. Il y a informel. Il n'y a pas d'ordre. Avec le président des États-Unis, on est américain. On est américain. C'est le Congrès américain. Comprend toute l'Amérique là, la latine, là. Toute l'Amérique du Sud, du centre, des États-Unis, toute l'Amérique, le continent américain, le Nouveau Monde. Ils ont un congrès. Il y a cette idée-là que les États-Unis ont lancée comme ça, qu'ils financent, etc. Les États-Unis ont une grande idée encore. On n'est pas européen, mais notre européen, notre union avec l'européen, ça se fait par la mer, par l'Atlantique. Donc on crée l'OTAN, une alliance atlantique. En réalité, ce n'est même pas atlantique. C'est simple. Si on dit Europe-Amérique, ça va choquer. Donc c'est l'Amérique qui commande. L'organisation comme nous, à France-Afrique, et c'est ça. C'est la France qui commande.
Tu vois, parce que c'est les, quand tu mets deux conseils qui ne sont pas le même niveau, l'un commande. Exact. Hein? Donc les États-Unis malins disent si on fait Amérique et Europe, Europe. Où ça va, etc. Ou même si on met Occident, on écarte aussi beaucoup d'autres qui ne sont pas Occident. Mm. Déjà, la Hongrie, la Hongrie, l'Ukraine, ce n'est pas l'Occident. Ils sont déjà l'Orient, l'Europe orientale. Donc, ils ont supprimé, ils ont dit appeler ça la mer nous unit. C'est l'océan Atlantique. Même la Chine, même la Finlande, tout ça, tout ça, ça tombe dans l'océan. Comme la Méditerranée, tout ça, ça tombe dans l'océan Atlantique. Hein, toutes ces mers-là, les Baltiques, tout ça, les mers, ça tombe, hein, même là-bas, ça tombe dans l'océan Atlantique. Ils vont là-bas. Donc, ils ont créé l'Alliance Atlantique, l'OTAN Atlantique. Et ça ne choque personne. Tu peux quitter, tu ne peux pas quitter, mais c'est Atlantique. On ne voit pas tout de suite quelqu'un qui domine. On ne voit même pas la présence des États-Unis. Alors, c'est eux qui commandent cette affaire. Alors, les États-Unis ont pensé encore notre concept. C'est les pays du Pacifique, comme il y a la mer du Pacifique. Ils ont dit aussi la mer du Pacifique. Les Chinois sont dedans, les Japonais sont dedans, les Coréens sont dedans, les Vietnamiens, les Chinois. Ils sont tous au bord du Pacifique. Les États-Unis aussi, vers la Californie, sont au bord du Pacifique. Donc c'est un pays du Pacifique. Donc ils ont créé les pays du Pacifique. Mais nous sommes dans l'Atlantique, non? Mais on n'est pas dans l'Alliance Atlantique. Nous sommes dans l'Atlantique, oui, oui. La Mauritanie, le Sénégal, c'est l'Atlantique, non? Exact. Jusqu'en Afrique du Sud, non? Cap de Bonne-Espérance. Donc, on n'est pas dans l'océan Atlantique. Parce que ça ne compte pas, c'est faible, il n'y a rien à tirer. Non, on exclut. Hein? On n'est pas dans les États-Unis, on n'est pas dans le Congrès américain, on n'est pas dans l'OTAN. L'Alliance Atlantique, on n'est pas dans les pays du Pacifique, parce qu'on n'a même pas le Pacifique. L'URSS avait lu le monde. Avait lu le monde. Et ils n'ont pas fait comme les États-Unis à bien voir. Ils n'ont pas fait la fédération. Hein? Ils n'ont pas fait la fédération. Parce qu'aux États-Unis, il y a Joe Biden, il est président des États-Unis, tout ça, la fédération. Mais chaque État a son gouverneur, a ses lois, a sa liberté, sauf la monnaie, la diplomatie, l'armée, des choses de ce genre. Mais tout le reste, les États font. Il y a des États qui interdisent, si tu conduis la voiture, tu téléphones, l'État te punit, t'enlèves la voiture et t'enlèves. D'autres États, tu peux téléphoner quand tu veux. Il y a des petits trucs comme ça qu'on les laisse tranquilles, gérer le quotidien. Sauf les grands trucs, la défense, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas la diplomatie, ils ne peuvent pas émettre leur monnaie, c'est le dollar, c'est l'État fédéral qui est là, etc., etc. Bon. La Russie a fait plutôt un peu par l'idéologie, par la force et non par la politique. Il a imposé le communisme à tout le monde. Il a imposé un peu de bureaucratie, quoi. C'est pas que la Géorgie était là, État puissant qui adhère à une fédération, ou l'Ukraine qui était là adhère à une fédération. Et ils ont le pouvoir russe. De Staline, de Lénine et de tous les autres, ils ont voulu dominer les autres. Là. Ils ont voulu dominer. Mais parce qu'ils n'ont même pas hérité de l'Empire russe, ce n'était même pas comme ça. Ils n'ont pas su faire. Ils ont fait un truc artificiel. En méprisant les autres. Les autres en étant presque des villageois. Quoi. Et voilà pourquoi. Ça a duré même pas 50 ans, c'est tombé.
Et chacun a gardé sa liberté, chacun est indépendant. La Russie a eu une petite influence, d'où les guerres de Poutine pour retrouver un peu pour que l'OTAN ne soit pas trop proche. Un kilomètre du Kremlin, il y a l'OTAN qui est américain avec les bombardiers. Ils ne veulent pas. Maintenant, la Suède adhère. Ils sont aussi frontaliers avec l'URSS, la Finlande, tout ça. Mais beaucoup de femmes impératrices dans l'histoire de la Russie viennent de la Finlande ou de la Suède, c'est des femmes de là-bas, des empereurs mariés. Donc voilà pourquoi c'est un peu dans le sang, la parenté. Voilà pourquoi Poutine dit que ce n'est pas dangereux. C'est différent. C'est différent. Dans la bourgeoisie, dans la noblesse, ils prennent des belles femmes blondes de là-bas. Ce n'est pas leurs paysans là-bas. Et Slav, c'est des paysans, rien. C'est les belles femmes suédoises, finlandaises, grandes, blindes, blondes. C'était les impératrices. On les mariait là-bas. C'est la classe noblesse. Donc Poutine dit, il y a un peu ce lien affectif. Tandis qu'avec l'Ukraine, c'est un peu, nous les Russes, on vous impose le russe. Tandis que là-bas, c'est la famille. Voilà, c'est un peu différent. Voilà pourquoi il dit, c'est pas tellement inquiétant. Parce que c'est les relations de sang. Mais de toute façon, on n'était pas dans l'URSS. On était camarades comme ça, lointains. Brezhnev n'avait aucun intérêt ici. Il n'a jamais fait une visite en Afrique. Et puis on n'était pas des pays nombreux africains communistes. Ah oui, c'est ça. Il n'y avait rien. Le monde était divisé, il n'y avait pas de communistes, à part le Congo, la guerre de l'Angola qui le soutenait. Et ils n'ont pas aidé Sékou Touré, ils n'ont aidé personne. Après, la Chine est apparue. La Chine n'est pas fabriquée par les Chinois aujourd'hui. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont changé que de régime à l'intérieur. C'est l'empire chinois, avec des empereurs. Ils ont eu des empereurs. Ils ont eu Saint-Lucien, des présidents bourgeois. Et Mao Tse-Tung a fait la longue marche pour les chasser, les Tsangatsek, chasser tous ces gens, faire un parti communiste, un régime communiste. Mais dans un ensemble qu'ils n'ont pas fabriqué, c'est pas Mao Tse-Tung qui a tracé les frontières de la Chine. C'est pas Xi Jinping là qui a tracé, les frontières de la Chine. C'est déjà l'empire existait déjà. À l'intérieur, où on installe l'empereur, le fils du ciel, où on installe un président de la République, où on installe le Parti communiste qui commande, avec des sections partout, les comités centrales, les provinces, c'est communiste. Mais ils n'ont pas créé l'État. L'État existait sous forme d'empire, existait sous forme de république bourgeoise, et existait aujourd'hui sous forme de république communiste. Ils n'ont pas tracé, comme nous au Congo, on n'a pas tracé les frontières du Congo. C'est les frontières étaient de la colonie. Donc la colonie est partie, et c'était un colonisateur, le président de la République était en France. Ici, il a envoyé un commissaire, un haut commissaire comme les Éboué, les Cornu Gentil, etc. Mais ils sont partis, nous avons gardé les frontières. Voici le Gabon, voici le Cameroun, voici la RDC, et on a gardé ça. Ce n'est pas les Balouba là qui ont tracé un grand pays comme le Congo qui n'arrive pas à diriger la RDC. Ce n'est pas Mobutu qui a tracé les frontières de la RDC. Ce n'est pas Lumumba qui a tracé la RDC. Un pays comme ça, donc ils sont partis au Kivu là-bas, faire des frontières au Katanga. c'est le Congo belge, la colonie belge. C'était au roi belge. Le roi a trouvé, c'était drogué, il ne pouvait pas gérer, l'a donné à la Belgique. Colonie belge, et puis à l'indépendance, on a gardé
C'est devenu le pays de la République de la RDC, qu'on appelle tantôt Zaïre, tantôt Congo. Mais ce n'est pas Mobutu qui a tracé les frontières. C'était les frontières de la colonie comme nous. On n'a pas fait les frontières avec le Gabon, on a tracé. C'était tracé par les colonies. La colonie est partie, nous avons occupé les lieux. Voilà. Donc les Chinois, c'est ça. C'est, ils n'ont pas créé l'État. C'est à l'intérieur de cet ensemble-là, immense qui existait par les empereurs. Ils ont fait de la République. Après avoir tué et chassé les empereurs, ils ont fait la République. Il y a ces scènes-là. Après, ils l'ont chassé, ils ont mis les Mao Tse-tung, ont mis le communiste. Mais dans le tracé déjà existant depuis l'Empire, donc ils n'ont même pas eu à faire un État fédéral. Ils ont déjà. C'était déjà tracé. Hein, tu comprends, non? Oui, c'était déjà tracé. Ils n'ont pas tracé les frontières. Comme nous, on n'a pas tracé les frontières avec tout ce qu'on a na RDC, avec tout ce qu'on a Gabon, avec tout ce qu'on a na Cameroun, avec tout ce qu'on a na RDC, non, na Bangui, na RC. Angola et tout ça. Hein? Angola. C'est pas nous qui avons tracé ça. Ça existe. C'est pas eux qui ont tracé nulle part le Sénégal était là, la Côte d'Ivoire. Tout c'est le Kenya, c'était déjà tracé pendant la colonisation. Tu peux hériter grand comme le Nigeria, tu peux hériter petit comme le Togo. Comme le Togo. Ouais. Tu peux hériter petit comme les îles de Cap-Vert. tu peux hériter grand comme l'Afrique du Sud. Tu peux hériter petit comme le Gabon. Et tu peux hériter comme la RDC. Donc ce n'est pas nous qui avons fait. Donc, eux, ils n'ont pas eu des problèmes de est-ce qu'on crée un ensemble chinois grand et on ne fait pas grand, ils n'ont pas eu ce débat-là. Ils étaient l'Empire avec ses provinces, c'est devenu une république avec ses mêmes provinces, c'est devenu une république communiste avec les mêmes provinces, le même État, les mêmes frontières. Ils n'ont pas eu à bâtir. À tout voter l'État que vous voulez. Non, ça existait, l'État, il était déjà dans ses frontières. C'est les régimes qui ont changé dedans, le gouvernement, etc. Voilà pourquoi les Chinois n'ont pas eu cette difficulté-là. Alors, ceux qui ont eu les difficultés de faire, qui n'existaient pas, ils ont, etc., c'est les États-Unis d'Amérique. Ils étaient colonies avec plusieurs États. Ils ont fait la guerre ensemble contre la métropole, l'Angleterre. Ils sont devenus colonies. La guerre de sécession. On ne veut plus. On est indépendant. Chacun de nous est ce qu'il est. Avec plusieurs États. 11 ans seulement après d'avoir chassé, 11 ans après la décolonisation. 11 ans seulement après, ils ont dit qu'il faut se fédérer. Il faut fédérer. Mais fédérer comment? Ah! Il faut. Franklin vient en France, voit les siècles des Lumières, les Voltaire et tout, il retourne là-bas, il est philosophe et physicien. Il dit qu'il faut faire la fédération. Parce que l'Europe, là, et ils ont l'idée de l'Europe, mais pas politiquement. L'URSS n'existait pas encore. Et c'était un peu dans la forêt, quoi, dans la brousse. La Chine, c'était des empereurs. Avec le Japon, avec des choses comme ça, etc. etc. Il dit, il faut faire. Les États-Unis. Il faut faire la fédération. C'est-à-dire, il faut une constitution. Et ils ont fait la constitution. Il a pris des gens de 28 ans, Jefferson, de 30 ans, Hamilton, de 33 ans, à Madison. Et puis un militaire de Washington.
Et lui-même, il a été 80 ans, il avait la goutte, il partait par toutes les régions d'ailleurs. Franklin, Benjamin Franklin. Voici la conférence, voici la fédération, voici la constitution. Pour qu'on fasse ça, nous, peuple américain, nous voulons créer une constitution pour le bonheur de tous les Américains, le rêve américain. Comment devient président? Quel est qu'est-ce que le Congrès ou le Sénat américain? Bon, comment sont dirigés les autres États de la Fédération? Quel pouvoir qu'ils ont qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas l'armée. Nous sommes un grand pays, c'est très grand. Ça va de Dakar à Brazzaville, mais il y a un seul chef d'État-major général. Il y a un seul ministre de la Défense. Il y a une seule monnaie. Il y a un seul ambassadeur à Paris. Et nous avons 54 ambassadeurs. L'Afrique, qui n'arrive même pas à payer. Les États-Unis puissants, un seul ambassadeur. La Chine puissante, un seul ambassadeur. Et ils ont créé ça. Ils ont fait les routes. Ils ont fait l'industrie. Ils ont fait les grandes universités. Ils ont mis l'argent qu'il faut, etc. Et la règle d'État. On n'entend pas beaucoup de corruption là-bas. Si tu as triché les élections à Bill Clinton, président Richard Nixon, Watergate, Salim Abbé, comme tu es présent, tu démissionnes. Si tu veux démissionner, on te poursuit alors, tu vas en tort, tu choisis. Il a dit je démissionne. Nixon a démissionné. Bill Clinton, les gens, il a un genre de femme qu'il adore, c'est plus fort que lui. Ses amis le connaissent. On veut le déstabiliser. Ah, depuis New York, on choisit une femme, une jeune demoiselle qui a à peu près ce profil. On lui téléphone, t'envoie une secrétaire. Les gardes-corps qui travaillent, les collaborateurs médias, ils disent que pas question. Parce qu'on connaît le type là. Et il est content de la tête. On a envoyé la fille venue de New York, les gens bloqués. Et lui qui lui donne, mais vous avez promis la fille n'est pas. Mais on a déjà envoyé, ah bon? Il demande, mais quoi, la fille, elle, oh, si elle est venue, elle est où? Non, elle fait là, tu travailles. Une semaine après, dimanche, avant d'aller à l'église des protestants, il va mettre ses doigts ou des jouets dans le sexe de là où sa cigare. À Kofi Basega, dans le sexe de la femme, dans le bureau du président de la République. Et ça finit par être connu. À quel anniversaire, à moi, c'est un gars qui s'appelle Bongo Mingité, des choses, Bimi. Et on fait un procès. Il a dit que faire l'amour physique, j'ai pas fait. Dès l'avoir nous mettre les cigares, oui. Avant qu'il bouge. Mais ils m'ont dit, les amis, mais dans le bureau du président des États-Unis. Tu oses. Et bien, ça a été un procès pendant un an. Et conclusion, il est indigne d'être avocat. On lui a retiré les licences d'avocat. Il ne peut plus être avocat aux États-Unis. Son boulot, son métier. La combine joint. Bon, on ne l'a pas mis en prison, mais c'est sur son dossier. Si bien que quand Hillary Clinton, pendant le débat, provoquait Trump, Trump a dit. Bon, Hillary Clinton, tu parles, bon, là, les enfants sont là dans la salle. On respecte ta fille grande, elle est là. Je la respecte, je peux pas tout dire. Mais c'est pas à moi qu'on a retiré les papiers. Moi, j'ai mes papiers de commerce, chef d'entreprise. Mais à d'autres, on a retiré leur licence d'avocat. C'est qu'il y a eu des problèmes. Je vais donner les leçons à qui. Il s'est arrêté, tout le monde a compris, il l'a arrêté net.
Puisque la fille était, Chelsea était dans la salle aussi. Tu vois? Donc, d'autres ont dit que non, juste au bout de la fédération Abine. On ne veut pas. Mais venez signer, tout va être notre bruit. À l'époque, tu peux leur casser la gueule. Mais aujourd'hui, démocratie à bruit, à bruit. Mm. La ville à Géorgie, Atlanta, la Géorgie, à bruit dans Bango. La Caroline du Sud ou du Nord, à bruit dans Bango. La Floride, à bruit dans Bango. Tous les États du Sud esclavagistes là. Ils ne voulaient pas laisser l'esclavage, les plantations, la Buenabango. On a dit non, vous fatiguez les gens. Venez qu'on soit ensemble. Vous ne voulez pas contre ça, on va vous casser la gueule. Et bien, Bouni entre eux. Vous étiez vaincus maintenant. Quand vous êtes vaincus, vous êtes de la fédération. Mmh. Ailleurs, ils ont acheté à Hawaï, Alaska. Parce qu'ils disent Alaska, c'est à cause de l'URSS. Mmh. Photos sur Bango, ils vont aux États-Unis. Hawaï aussi, tout Somba, États-Unis. Les Porto Rico, là, tout ça à côté, ils ont pris le statut américain. Tous ils sont favorisés, bah, à Porto Rico, c'est la vice-présidente, non? Elle est de Porto Rico. Même la porte-parole de Joe Biden. Ils favorisent des gens comme ça à côté, c'est à côté. Donc, ils sont arrivés à faire leur fédération. Et aujourd'hui, jamais de grève à l'université. Ils ont tous les prix Nobel, ils ont l'armée la plus puissante, ils ont l'argent, etc. Et tout le monde qui ne voulait pas, ne veut pas quitter. Et ceux qui ils n'ont pas réussi ça, ils sont tous là-bas. Tout le monde va aux États-Unis. Mm. Les Arabes, les Mayas, les Aztèques, là, les Mexicains, tout le monde. Tout le monde dit, faut, et on n'a jamais vu un pays sans frontières. On va faire le mur à Vandakuna. Et ils ont réussi. C'est des hommes comme nous. Mm-hmm. D'autres avaient refusé. Bolivar, Simon Bolivar, c'était un général. Il a fait la guerre contre l'Espagne pour libérer le Venezuela, la Bolivie, le Mexique. Tout, il a fait la guerre. Il a gagné. L'Espagne, elle foutait nous le grand. Nous sommes nous. Beaucoup d'États aussi. Le Portugal, le Brésil, mais tous les autres, c'est espagnol. Il fait un congrès à Paname. Ils viennent tous. Ils disent, bon, voilà. La Bengouine, on a un congrès. C'est pour faire les États-Unis de l'Amérique latine. Mm-hmm. On est... Quelle langue nous parlons? Nous parlons espagnol, non? Mexique, Paraguay, mais Argentine. Venezuela, Bolivie parle espagnol, sauf le Brésil qui parle portugais, mais c'est pareil. Hein? Eux, ils parlent anglais partout là-bas, non, on parle l'espagnol. Oh, ils sont protestants, nous sommes catholiques. Non? Si bien qu'aujourd'hui, ils ont donné le pape, non? Mm-hmm. Le Mexique. Mm-hmm. Et nous, on est l'Argentine plutôt. L'Argentine. Ils disent on est catholiques. Catholique, c'était fort à l'époque. Ensuite, on est riche. Il y a les ports, le Pacifique, l'Atlantique, la mer des Caraïbes, on a les forêts, l'Amazonie, on a tout, le pétrole, le Venezuela, les richesses, les marijuana, on a tout ce qu'il faut. Puisque les États-Unis n'ont rien, ils n'ont pas de forêt. Leur forêt brûle de temps en temps les cultures de la Californie, voilà, il y a rien. Tout ça, là. Ça ne nous coûte rien. On fait la fédération, on fait les vices films comme les autres, en fait. Il a vu, oh, notre salataire, on va, chacun va se développer, après on ira. Mexique, oh, non, ça va. Argentine, oh, notre salataire, Colombie, tout ça, Bolivie, tout ça, ils ont refusé. Trop de susceptibilité, trop de problèmes. Non, ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, 2022 ou 2000, quel est le poids dans le monde
d'un continent aussi puissant, aussi riche économiquement que l'Amérique latine. Quel est son poids dans le monde? Quel est dans le monde aujourd'hui? Quel est le poids de l'Amérique latine dans le monde aujourd'hui? Et aujourd'hui, quel est le poids de l'Amérique, des États-Unis? Hein? C'est clair. Ils n'ont pas fait la force, ils n'ont pas voulu faire. Et on les connaît quand ils jouent au football, les Pelé, les Maradona, les Messi, ça ne vaut rien du tout. On les connaît quand ils vendent de la drogue, de marijuana, la cocaïne, etc. Même Chavez a dit, on va faire le marché, au moins marché commun de l'année. Ça n'a, le Mercosur, ça n'a pas tenu. L'Europe a cassé ça. Pour acheter leur bœuf, le bœuf de l'Argentine, notre bœuf. C'est les pays qui... Tous ceux qui quittent les États-Unis, Trump a dit, gardez vos drogues là-bas. Motayawat. Et la, après, aux États-Unis, on parle l'anglais. Et la deuxième langue qu'on parle, c'est l'espagnol. À cause de cette influence. Ils n'ont pas voulu... Ils ont des présidents de l'Argentine, président du Mexique, président de la Bolivie, président du Venezuela, il y a des querelles toujours. Président Buenos Aires, l'Argentine, l'Uruguay, Paraguay, et il faut la Copa América. Il n'y a rien du tout qu'on fait le jeu de l'Amérique, de l'Afrique aussi, non? La, exact. Il n'y a rien du tout. Ça ne donne aucune puissance. Il y a la guerre de l'Ukraine, on ne les entend pas parler. La COP25, on ne les entend pas parler. Les problèmes du monde, ils n'ont pas de puissance nucléaire, ils n'ont pas de sous-marin atomique, ils sont vulnérables, il n'y a rien du tout. Ils n'ont même pas de grandes universités dont on parle dans le monde. Si moi j'ai dit j'ai étudié aux États-Unis, même une grande université, tu as étudié au Mexique, qui sera considéré? Aux États-Unis. Donc tout est. Il y a des belles femmes là-bas, des belles métisses et tout. Djagba métisse. Métisse sont prêts aux États-Unis, ou au Canada, ou en France. Pourquoi au Mexique, il y a des belles mexicaines là, non? Il n'y a pas de belles femmes au Brésil. Quand ils voient la samba, le Rio de Janeiro, les blancs quittent le paient les billets pour aller assister au festival de Janeiro de Rio, non? Au carnaval. Au carnaval, pour voir comment dansent les belles femmes noires métisses. Mais on peut donner au Japon. Mais on peut donner aux Chinoises, à la Chinoise. Elle est championne du tennis. Après, elle est belle, bien battue, on peut en faire une Miss. Le reste, c'est même pas la peine de nous. Donc, ils ont loupé. Personne ne parle d'eux. On ne compte pas, ça ne compte pas. Et donc ils subissent les États-Unis. Ils subissent tout et des pauvres diables, ils subissent, ils n'ont rien. Alors ils organisent la Coupe América, c'est tout ce qu'ils organisent. Et les Chiliens, tout, là, il n'y a plus rien. Tout. Alors maintenant. L'Europe sans ça. L'Europe dit, la France, le pays, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, tu es trop moqué. Il faut tout ça, la fédération. Non, il faut que tout ça, l'Union européenne. Puis de toute façon, on se bagarre. Si on fait l'Union, on ne va plus se bagarrer aussi. Parce que chaque 5 ans, se bagarrer, se faisait les guerres mondiales, les guerres ceci, les guerres de 100 ans, tout. Ils n'ont pas fait les guerres. Les Américains disent aux Anglais, vous l'Angola, il faut quitter là-bas. Parce que c'est une puissance économique. Nous, les États-Unis, et vous, Américains, Anglais, on te yoka, on te dit, moko, puisque vous tapez pour nous. Hein? Les Trump vont faire une visite officielle en Angleterre, le Dieu va avoir une visite officielle, mais jamais en France, il faut les visites officielles. Je ne connais pas, c'est zéro là-bas. Ils vont, leurs parents vivre en Angleterre. Les parents de Joe Biden, c'est des Islandais, des Irlandais, ils vivent là-bas. Les Kennedy, c'est Irlandais. Ils ont leurs parents là-bas, ma famille.
Parce qu'on s'est du longer, Mendel. C'est pas comme nous. On n'a pas d'histoire familiale. Ah, tu vois. Donc, l'Europe, là, tout ça comme Europe. Bon, ils sont ensemble, Schengen, les frontières, le corona arrive, ils remettent les frontières. Et le travail n'arrive pas organisé. Chacun sa diplomatie. Les autres font la francophonie, les autres n'en font pas. Il y a l'armée au Mali, il y a les ceci, il y a les djihadistes. Ils n'arrivent pas à avoir une puissance politique. À peine une puissance économique, mais ça dépend. Et le couple, ou bien le couple franco-allemand, c'est des histoires. Ça n'existe même pas. Les Allemands sont les plus puissants, ceux qui ont imposé l'Union européenne. Et c'est eux qui dirigent l'Union européenne. Ce n'est pas la femme là qui est présidente. Avant, elle n'était pas une Allemande encore. Mais c'est eux qui dirigent. La monnaie s'est faite sur les rendes. Sur le Deutsche Mark. La France n'arrive pas à suivre, c'est très cher. La Grèce n'arrive pas. Les pauvres diables, les Chinois, les Espagnols, les Italiens, ils n'arrivent pas à suivre. C'est le Deutsche Mark qui est tout lourd. Mais les Allemands sont à l'aise parce qu'ils sont forts économiquement. Les Hollandais sont à l'aise, l'Angleterre sont à l'aise. Et le pays du Sud, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Roumanie, par rapport au pays du Nord, les Germaniques, ils sont latins. C'est la langue romane. Ils parlent que le latin, tout cela. Alors ils ont dit qu'il y a la Méditerranée, mais au sud de la Méditerranée, c'est les pays arabes, là, ils ont du pétrole. C'est une richesse aussi. Donc, faisons les pays de la Méditerranée. Mais si vous faites les pays de la Méditerranée, Israël sera dedans puisqu'ils ont la Méditerranée. Exactement, oui. Mais les Arabes ne veulent pas être avec Israël. Alors, pour que ça ne marche pas, leur truc, Israël. Et pendant qu'ils bavardent, la 7e flotte américaine stratégique est dans la mer de Méditerranée, la 7e flotte américaine, oui, aujourd'hui. Et c'est lui qui contrôle la Méditerranée. Ouais, ne m'accorde pas. Parce que si vous touchez Israël, ils attaquent de loin. Les Juifs, le monde, les Rockefeller, ceux qui ont l'argent du monde, les banques, vous êtes Israël. Voilà pourquoi. L'URSS, non, la Russie ne peut pas lâcher la Syrie. C'est à côté de la mer aussi, Méditerranée. Et donc, il ne faut pas lâcher. On ne peut pas tirer ça du Kremlin, on peut tirer de la Syrie. Évidemment. Et la Turquie, il prend la Macédoine, il prend Chypre du Nord. C'est la Méditerranée, Chypre. C'est un lieu stratégique. Et les Français ont déjà le port de Toulon, là où il y a le Charles de Gaulle, qui a servi à bombarder la Libye par l'autre, là, par Sarkozy. Donc voilà la stratégie. L'Europe veut faire quand même. Ils sentent qu'il faut faire quelque chose. Mais il y a le nord, le sud, pauvre, riche. Et puis il y a des problèmes. Et puis chacun sa justice. Et chacun a ses tribunaux, chacun ses voies. Ce n'est pas encore réglé. Voilà pourquoi Macron insiste qu'il y en a l'armée. Trump dit on quitte même parce qu'on ne va pas financer l'armée. Là-bas, on a travaillé pour vous-même. Mais Macron insiste sur l'armée. C'est l'intégration de l'armée. Et puis il va vers le fédéralisme. Mais ça ne marche pas. Les Le Pen ne veulent pas vers le peuple souverain, le souverainiste. Devant la union des peuples, des nations. Par là, on écarte les nations, on fait l'État fédéral, ils veulent pas. Et c'est une opinion européenne aussi qui court. Voilà les scénarios. Tout ça, c'est s'il y a des maladies, comme le corona, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé encore, le virus. Bon, comme le commerce mondial. Comme les problèmes de l'armement dans le monde, comme les problèmes de la famille,
comme tous les grands problèmes de communication, d'internet, de satellites, de fibre optique, c'est lié dans cette macro, dans ces grands ensembles. On fait tout maintenant, les communications, les internets, la fibre optique, c'est dans ces grands ensembles. Or, quelle est la place de l'Afrique? Mais attendez, Binomoko, que je suis contre toi, tu es contre moi, d'accord. Mais quelle est la place de l'Afrique dans ce scénario-là? Que ça te plaise, que ça te plaise pas, quelle est la place de l'Afrique? C'est absent. Complètement. Complètement. Or, la France, l'Afrique a l'intelligence, ils sont intelligents, ils sont nombreux, ils seront 1 milliard bientôt. Ils ont, avec un seul barrage en RDC, ils peuvent électrifier toute l'Afrique, au moins plus de 20 millions de fois qu'ils moulent. On va électrifier tout le continent africain presque gratuitement et même envoyer à l'extérieur un seul bar à Inga 4. Les musiciens chantent ça, non? Au Simba, au Simba, Simba, au Mokolomoko, au Simba, au Kuringa, le corps à l'Issane. Il va te brûler, il y en a tellement le courant. Ils ont le diamant, l'uranium, le cuivre, le coltan, les zinc, le plomb, le fer, le truc, ceux qui ont connu, ceux qui n'ont pas. Ils ont la forêt, ils ont les animaux, ils ont l'eau, ils ont l'espace pour l'agriculture, ils ont tout, ils savent chanter, ils savent courir le marathon, ils savent, ils ont des misses de l'univers, misses du monde, de Libéria. Sont allés à Cotamble à l'équipe contre Maria 1000 fois. Là, lâche-toi ici. On est obligé de donner à Dieu Miss. Obligé. C'est incomparable. Zamba, qu'elle aille, comment elle marche, comment elle. Non, on ne croit pas que c'est réel aussi, mais même tu doutes. Et qu'à peut-être le cinéma va salir, quoi. Un mannequin. Tu touches, c'est vrai. Oui, c'est vrai. L'Afrique. Mais quand tu as filé les femmes de Maasai au Kenya, c'est Kingi Sambo. Tu le vas faire de la bijou qui nous dit. Et là-bas, tu fais l'amour avec elle. Moi, je fais l'amour avec elle. Elle a beauté, moi, elle a la communauté. On ne sait pas qui est le père, c'est la communauté. C'est les libres d'accueil, je viens, ah bon, on revoit à demain, je m'en vais, tu es déjà là. Ou bien si je viens avant toi, on mange et le prépare, tu as dit non, je suis avec toi, ah bon, tu dis bon à demain, tu vas ailleurs, il y en a plein. Il n'y a pas de jalousie, moi d'abord, peut-être moi non, bon, je m'en occupe. Ma longueur, si ça nous occupe, on est tous en communauté. Hein? Vaut mieux ça que les lesbiennes. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est. On est en communauté, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie. Elle est de la communauté, tu fais lui faire du bien, moi je fais du bien. Les enfants, c'est... on prend tout le monde en soi. Babanabuso, ça c'est la communauté. Au Kenya, les Maasai. Kingo Sam. Il y a de tout. Même en Ouganda, il y avait une princesse, elle était tellement belle que les gens disaient, mais on l'a violée même dans l'aéroport. Vous croyez, dans ma casse, c'est au violée dans la toilette de l'aéroport. Tellement belle. Il y a eu des phénomènes, les Baloubes ici, les Bakong, les Bangalas, les Mongols, les trucs, les Batekés, les. Et tous les éléphants, c'est comme si une statue vivante. On a des richesses extraordinaires. Les gosses qui font la boxe, qui font le basketball, le volleyball, la chanson, les Myriam Makeba, la femme Wangari Maathai qui plante les arbres au Kenya. Il y a tout ce qu'il faut en Afrique. Les blancs calculent, ils voient.
Nous sommes riches, Europe, mais qui a fait notre richesse? C'est les Noirs africains. Parce que les Noirs africains ont permis à l'Europe occidentale de chasser la noblesse. Deux dans ces films. C'est la bourgeoisie d'affaires. Il y a celle de la banque, à celle de la révolution industrielle, à celle de la chemin de fer, à celle de la PAC. Il y a un bon gars n'en pas. Le travail gratuit des esclavages. Et la Hongrie qui n'a pas ça, l'Ukraine qui n'a pas ça, la Roumanie qui n'a pas eu ça, les Tchécoslovaques qui n'ont pas ça, les Varsovie qui n'ont pas ça. Ils sont, même Talanga, l'équipe a un développement. À part les capitales qui est là où habitaient les princes, même Talanga, l'équipe a un développement, ils n'ont pas d'eau chaude, ils n'ont pas de sabot. Et l'hiver, il n'y a rien du tout. Surtout que l'hiver, ils leur couper le gaz, ils n'ont rien du tout. Ils vivent encore dans le Moyen-Âge, ils se lavent dans des cuvettes encore. Ils n'ont pas eu la colonie. Ici, il y a eu 6 siècles de travail gratuit. La foutre a eu été. Pas de. Moi, on ne peut pas me prendre trop vieux. Même toi, on dit non, on ne peut pas acheter Alexis. Il faut vendre ma casse 18 ans, 20 ans. On a tout mon bimba. Bon, attends, on a marché. Et j'arrive, je dis, bon, on vend au marché. Elle coûte $20 ou $25. T'as la mine, mais elle est $30. Mi groupe to be sold. Maigre à vendre. Je viens de l'église avec ma Bible, temple. Je constate que quelque chose, le fromage, qui a volé. Il faut la pendre. Mais l'enceinte, je m'en fous. On crée un karmakora, on la pend. Et tout le monde qui vient de l'église vient voir, regarder, rire comme ça. Puis il est à côté de champion. On l'enceinte, on la pend, on va gagner la scène. À couvre. Quelqu'un parle des droits de l'homme. Il y a des photos. Elle est venue les bénéficier par eux-mêmes. Les droits de l'homme. On met dans les cales, on fait bref. Tu fais l'amour, tu es blanc, tu fais l'amour avec une négresse. Elle est enceinte. Tu dis, moi, je n'ai pas maman, je n'ai pas esclave. L'enfant, là, même une goutte de sel peut venir de la communauté des blancs. Tous les noirs américains ne connaissent pas leur père. Aucun noir américain ne connaît son père. Aucun. Tous les noirs américains connaissent leur mère. Et ils ont le nom de leur mère. Jesse Jackson. Sa mère, c'est une Jackson. Madame Obama s'appelle Robinson, non? Mais sa mère s'appelle Robinson et Kobatatanete. Et son frère qui joue à boule avec le Jordan, il s'appelle Robinson aussi. Combat maman a Bango Robinson. Il tatate, madame Obama ne connaît pas son père. Maman Obama a pèse ma sang na tatane, il tatane na. Jesse Jackson, tous sans excès, les Malcolm X, tout le monde. Hey. Le Martin Luther King, quel est son père? Son père, sa mère, oui, les Jesse Jackson, tout le monde, sans exception. À moins que ton père soit noir, maman, tout ça. Mais si tu as fait. Mais moi, un jour au département San Francisco, j'arrive, j'étais chez le département, je rentre dans mon bureau. Je contacte la secrétaire du département, une jeune métisse noire américaine, pleure. Oh. Mais pourquoi tu pleures le matin comme ça, tu es bandit? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Banami bal wa saraka ya pena na classe wa naye baba fingi. Je dis oui, mais ça arrive.
Mais tu ne vas pas pleurer pour ça. Bah, fingé, mana makango, tatata. Ayeli tatane, tayeli mamane. Et j'ai demandé à ma mère, là-bas, à la Nouvelle-Orléans, tu étais enceinte, non? Tu as fait l'amour, tu étais enceinte. Ma vie est qui le blanc? Même les tantes, là, la kamakambo, wanate. Benendel, tu la kamakambo. Moi, j'ai appelé les garçons. Je dis, mais pourquoi vous, c'est votre soeur? Pourquoi vous l'injuriez comme ça? Et j'étais aux États-Unis, qui connaît son père? Mais pour qu'elle dramatise, même nous qui parlons tout, bah, t'es la bichette. Dis-moi, je m'appelle Alain, Troy Alain. Mais ma mère s'appelle Alain, je ne connais pas. Je connais que c'est ma femme n'aime pas l'été. Parce que mon tomoï a eu un tonton. Ses copains, on appelait des tontons. Mais je ne connais pas mon père. Je suis métisse, je suis brun, métisse, plus brun que vrai métisse. Mais ma mère, elle s'appelle Alain. Tant que je vais te la montrer, ma mère c'est Alain. Moi je m'appelle Alain. Tout comme ma maman, ma Jackson, ma Nino, comme ma tata, je vais éviter pour qu'elle pleure. Et là, elle a pris le nom de sa mère. Pas de son père. C'est tout sourd aux États-Unis, très beau. Hein? Voilà leur problème aussi. Voilà pourquoi le racisme, dès que tu es né, tu es raciste. Donc, Bamindel, Batal, Bangou, le col a batoté, Bamindel. Batatate. Là-bas, c'est la société patriarcale. Tata nous t'a commandé, ton père. Ils ne connaissent pas leur père. Ils ne vont que leur mère. Leur mère va chanter dans les églises, les gospels. Ils ne connaissent aucun. Moi, j'avais des amis à San Francisco. Et il était même blanc, ce type-là. Il s'appelle Bradley. Il a chanté pour le nom américain. Il s'appelle Chaka, ou le baptiste Chaka. Mais même un Mondele, presque. Il ne connaît pas son père. Oui, il a ses frères. Ma maman, il dit aux États-Unis, on ne connaît pas notre père. Il fait l'amour, il s'occupe de la négresse. Voilà les problèmes. Voilà pourquoi c'est une société très difficile à vivre. Même les Floyd, l'hôtel, ses parents, c'est sa mère qui avait parlé. Floyd, c'est pas bien. Mais oui. Tatane Abimak. Ils n'ont pas de papa. Et je sais Jackson, sa mère aussi s'appelle Jackson. Elle colloque Robinson. Et comme il y a Madame Obama, il y a Tatanete, et comme maman a yé Robinson. Son frère aussi s'appelle Robinson. Il y a basket dans Jordan. Ils sont comme ça, ces gens-là. Tu vois? Donc, et toi, tu es gâté, tu as tout ce qu'il te faut, rien, le soleil, l'énergie solaire, c'est toi. Les barrages, c'est toi. L'énergie renouvelable, c'est toi. Et la forêt du Mayombe, la forêt de Ouesso, dans les quoi, là, tout ça, là, le maï, le fleuve, Kourou, la pluie, les trucs. Là. Et le plus riche au monde. Et tu es écarté du monde, tu es écarté de l'humanité. Complètement écarté du monde. Tu es écarté de l'humanité. Et tu as la richesse du monde. Alors, on va te brimer, on va t'inférioriser et on va piller tes richesses. Ça s'appelle aide, ça s'appelle appui, ça s'appelle accompagnement. Qui appuie la Chine? Qui accompagne la Chine? Qui appuie les États-Unis? Qui accompagne les aides là-bas? Qui appuie la France? Vous, un petit blanc, vient ici faire un petit sommet, on va appuyer. Mais vous, c'est-à-dire qu'on t'enfonce de plus en plus dans la misère, c'est ce qu'ils appellent appui. Mais qui appuie même le Portugais? Ils n'ont plus de boulot, ils vont chercher le boulot en Angola et en Mozambique. Mais qui appuie l'Espagne? Qui accompagne l'Espagne?
qui appuie l'Italie, qui accompagne l'Italie, qui appuie l'Allemagne. Mais vous, on vous a appuyé, parce que si on dit aide, coopération, ils ne veulent plus. Oh, nous, les obéirons de coopération, ma vie. Les aides, non, que les pauvres, tout appuyé Bango. C'est la pure. Ou bien, ils avant, mais on accompagne. On accompagne, c'est pas grave, je t'accompagne. Vous autres qui dans un bien accompagné. Tu vois? Mais tu ne peux pas aller au marché toi-même, il faut que je t'accompagne. Mais qui accompagne la France? Qui accompagne les États-Unis se développe. Tous les jours, on fait des ponts. Tous les jours, on fait des boulevards, des routes. Tous les jours, on construit des universités. Tous les jours, on équipe les universités. Tous les jours, il y a les banques qui marchent. Tous les jours, il y a le commerce, les vendeurs, les acelles, le blé, le maïs, toutes les pommes de terre, les animaux, tout. Hein. Mais qui les aide? Qui les accompagne? Personne. Vous voyez bien que... Vous faites des séminaires pour la gestion, une gestion axée sur les résultats. Donc, vous voulez faire un séminaire de gestion, la gestion, qui ne serait pas axé sur les résultats. Mais c'est automatiquement que ça soit axé sur les résultats. Automatiquement. Mais pour que cette tautologie-là. Donc, vous ne comprenez même pas. Et vous donnez l'argent aux experts qui viennent de France, et même les petits Français-là sont même gênés. C'est des grands garçons, ils ont cravate aussi, c'est le directeur, ils ne comprennent rien. Les petits Français sont gênés. Ah, c'est Makamba Dinga. Le français comprend, mais c'est des docteurs, c'est des ingénieurs, ils ne comprennent pas. Alors, je suis la Vox TV, ils parlent. Ils comprennent. Donc voilà. Bon, restons comme ça, hein. Ça nous coûte à les Obengakré, les Simbongo fait du chahut. Bon. On peut laisser comme ça, ça ne fait rien aussi. On sera comme l'Amérique latine. On ne sera pas écouté dans le monde. On prendra des richesses, l'uranium, on fait ce qu'on veut. Et tout, bon, faisons comme ça. Et toi, tu vas faire les ONG, tu vas faire le de langue des femmes, tu vas faire des chansons, Bassi, réveille-toi congolaise. Des petites chansons comme ça, réveille-toi congolaise. Parfois, je crois que c'est la bêtise. Djoba, quoi. Maïel était. Les femmes du Congo, vous là, les femmes du Congo, si vous réunissez, il faut leur dire à la femme, Nganel, les autres, il faut leur dire. Il y a toujours un déséquilibre entre scolaire, entre les garçons et les filles. Ce n'est pas égalité encore. Tel que nous avons le système là, il n'y aura jamais d'égalité. Jamais. Il faut donc rompre ce système. Ce système peut continuer, mais il faut le rompre. Vous créez à Pointe-Noire, vous créez à Brazzaville, ou à Kinkala, ou à Boko, ou n'importe où, à Oyo, à Wando, à Makwa, ou de la Sangha, vous créez des lycées que les jeunes filles. Au lieu de former 5 bacheliers de femmes, j'en formerai 100. Et au bout de 5 ans, on a égalité. C'est tout. Ils vont à l'université, ils font tout métier. Ils sont même plus nombreux que les garçons. Exact. Mais tel que vous faites, au Tambourlaté. Vous avez déjà fait 40 ans, non? Ça 60 ans d'indépendance. Et Tambourlaté, c'est vrai. Et aucune fille ne peut comprendre ça. Qu'il nous faut faire des lycées que de jeunes filles. En Afrique du Sud, au Prasal Yangoukouna, pour faire honneur à Mandela, que des jeunes filles. Un poème internat, de la discipline, la salle, de tout ça, au sein de l'école, au Djabaka, au Djabag, au Djabag. Et puis, mais il y a qui t'offre Baba la vie, non? Évidemment. Hein? Évidemment. Ce n'est pas un paysan qui viendra te marier, toi, ton bac, ce n'est pas le paysan, le péché de l'île Bam qui viendra. Peut-être, là, si tu tombes de coups de foudre, mais pas, c'est pas beaucoup. Tu vas tomber de coups de foudre. Pas beaucoup. Tu cherches aussi un cadre. Si vous avez à Kintele, il y a plein de garçons. Il y a combien de filles?
Hein? Moins de filles. Combien? Moins de filles que de garçons. Moi j'enseigne. Là-bas. Oui, on est arrivé à la fin. Oui, papa. Tu vois, donc il y a des choses qu'il faut imaginer. Voilà, on peut s'y laisser. Oh, l'Afrique, c'est trop compliqué, vous allez défendre quoi, c'est compliqué, c'est combo, tout tic. Bon, on peut laisser, ça ne fait rien. Mais, vous vous bloquez vous-même. C'est tout. Ou bien, tu dis que non, tout bouna, tout ça là. On a un cerveau, on peut bien faire, on peut mieux s'en sortir, on peut prendre mieux de nos richesses. Et vous répandez l'idée aujourd'hui. Il faut que l'idée de le panafricanisme soit populaire, ne fasse plus peur aux gens. Et les gens qui commandent aujourd'hui l'Afrique n'ont pas cette idée-là. Ils n'ont pas essayé ce réclam panafricain, mais ils n'ont pas cette idée-là. Ils n'ont jamais rien fait de panafricaniste. Merci. On est satisfait. Maintenant, nous, on peut aller préparer notre affaire tranquillement. On sait que mercredi, comme convenu, vous serez là. Pour que ce message que nous venons d'entendre là, que tout le monde l'entende et que nous le vulgariser. Oui. On va le tenir en haleine là, jusqu'à ce jour. On a oublié là, il y a tellement de choses. Passa.